Salut les riders, donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler des fers Duplo. Donc ceux qui me suivent sur Facebook et Instagram ont vu que je suis passée aux fers Duplo au mois d'août et pas mal d'entre eux m'ont demandé justement mon avis sur ces fers et à l'époque je pouvais pas vous le donner. Maintenant ça fait 4 mois qu'on est passé à la ferrure et donc je vais pouvoir partager mon expérience avec vous. Alors avant de commencer cette vidéo, je mets quelques petits points au clair. J'ai désactivé les commentaires parce que j'ai connu des heures sombres où à l'époque on parlait de fer, de pieds nus, de mort, de muserolles. Ça déclenchait des guerres civiles dans les commentaires et je ne veux pas de ça. Aujourd'hui c'est pas la question de savoir si c'est bien ou si c'est mal, je vous partage juste mon expérience. Après à vous, voilà, si vous n'êtes pas d'accord avec, ben, tant pis pour vous. Si vous ne connaissez pas ou que vous cherchez des avis, ça vous permettra de découvrir et d'en avoir un. Et voilà. Ensuite deuxième point, tout ce que je vous donne au niveau des tarifs etc, c'est propre à mon maréchal. Donc je ne veux pas, pareil, je veux pas que des personnes disent it is croque machin gna. Je me suis moi-même renseignée sur internet, je sais ce qu'il utilise comme produit, d'où ça vient etc. Donc pour ça c'est carré. Voilà, donc maintenant excusez-moi pour ce petit rappel à l'ordre. Mais voilà, donc commençons. Du pourquoi du comment. Donc pourquoi je suis passée au fer Duplo. Donc Plume c'est un cheval qui a tendance à avoir des molettes et j'ai tout essayé pour justement faire diminuer ou faire disparaître ces molettes. Et en fait c'est avéré que c'était un mauvais ferrage qui causait ces molettes et du coup j'ai changé de maréchal. Quand j'ai eu mon nouveau maréchal, Super Alexandre, voilà comment on va l'appeler, il m'a dit voilà ta jument elle a des molettes parce que ses fers sont trop petits, sont trop serrés. Donc concrètement si c'était un humain elle ferait du 38 mais elle aurait des fers en 36 sur talon aiguille et donc ça lui entraînait des atrophies des fourchettes, des dégâts quand même assez considérables. Et là mon maréchal Super Alexandre a été clair avec moi, il m'a dit voilà, c'est soit tu continues avec une ferrure classique avec les activités que je fais, donc en sachant que je fais voilà du saut, du dressage, un peu de cross, de la balade, et je garde cette ferrure classique, mais dans un ou deux ans, ça sera fini parce que la jument, au bout d'un moment, finira par boiter. Ou alors, je réduis ces activités-là. Alors, concrètement, ça m'embête un petit peu parce que Plume est encore jeune et j'allais pas la mettre à la retraite, entre guillemets, alors qu'elle a encore envie de travailler. Et donc il m'a proposé la solution de mettre une ferrure orthopédique et j'ai eu des ferrures rolling. Et là effectivement c'est là que j'ai compris que effectivement les molettes venaient bien du ferrage parce que j'ai eu de très bons résultats. Sauf que en avril 2018 ces résultats ont commencé à stagner, il y avait toujours des molettes, elles ne grossissaient plus, elles ne réduisaient plus mais elles étaient quand même là. Il y avait encore quelques petits soucis d'engorgement tout ça, beaucoup moins grave qu'au début hein, parce qu'au début c'était voilà, c'était assez compliqué. Du coup mon maréchal donc au mois d'août m'a proposé les fers Duplo. Ce qui était intéressant en fait, ce qu'il voulait savoir c'est est-ce qu'on était arrivé au bout de ce qu'on pouvait faire ou est-ce qu'on pouvait encore changer les choses. Et justement avec les fers Duplo il a eu d'excellents résultats. Alors et donc il m'a proposé et moi je me suis dit bon après tout je n'ai absolument rien à perdre, j'ai tout à gagner. Si effectivement comme il dit il y a des résultats, ça sera que bénéfique pour elle et elle pourra continuer voilà, à travailler, être bien dans sa peau. Alors avant, j'ai oublié de vous le dire dans l'introduction, j'ai un trou de mémoire parce que en ce moment je suis un peu étourdie, j'ai fait que des bêtises. Je vais vous mettre un lien en barre d'infos pour vous expliquer ce que c'est les fers Duplo, pour voir un peu plus en détail à quoi ça ressemble. Je ne veux pas trop m'avancer sur des explications scientifiques parce que je ne suis pas professionnelle. Et comme ça, ça permettra d'avoir pas mal de détails. Voilà, donc je passe à comment un petit peu ça s'est passé. Donc la première ferrure, comment elle s'est passée. Donc déjà, mon maréchal m'a demandé de mesurer les sabots de Plume, voir à peu près, voir pouvoir la taille de pied, pouvoir commander donc les fers. Alors, sachez, si jamais vous passez au fer Duplo qu'il vous faut mesurer, faites quand même bien attention parce que si vous faites une erreur, ça risque d'avoir des conséquences. Bon, je sais mesurer. Je suis contente parce que je sais mesurer, voilà. J'ai fait des études pour apprendre à mesurer. Bon. Voilà, donc ensuite, le ferrage dure à peu près 1h45, 1h50 en fonction. Donc il va falloir faire un parage, un bon parage,
pour faire ça, et ensuite le maréchal va retailler les fers au pied de votre cheval et clouer. Ça se fait avec un ferrage à froid. Alors, petit conseil, ne vous amusez pas à le faire seul. Il s'agit quand même, voilà, de plusieurs techniques, et tout ce qui touche au pied des chevaux, ça a de graves conséquences, et je vous déconseille de le faire si vous n'avez pas eu de formation au préalable. Voilà. Ensuite, au niveau du prix, parce que ça c'est la question, voilà, qui je pense qui intéresse pas mal de monde. Donc pour ma part, en fait, quand je dois acheter les 4 fers, ça coûte 200 €. Sauf que les fers, en fait, ont une durée de vie et on n'est pas obligé de les changer tous les 2 mois pour ma part. Et donc tant qu'ils ne sont pas usés, en fait, on ne les change pas. Et quand on ne les change pas, ça fait 100 €. Donc là, en fait, pour vous dire comment ça s'est passé, le premier coup, j'ai payé 200 €. La dernière fois j'ai fait 100 € et là je vais repartir sur 200 € parce que mes fers sont usés. Ce qui fait une moyenne de 150 € tous les 2 mois. Alors au niveau de l'entretien du sabot, puisque en fait il y a une partie du pied est quand même recouverte par le plastique, comment ça se passe? Alors normalement on n'a pas besoin de graisser les pieds puisque simplement le plastique va retenir l'humidité. Donc doucher les sabots, en fait ça va servir. Et effectivement, pendant la période d'été, donc août à septembre, j'ai dû mettre 2 fois de la graisse parce que de l'huile de foie de morue parce que je culpabilisais, enfin je me disais mon dieu ça va être horrible. Et quand mon maréchal a ferri, il m'a dit non mais tes fourchettes, elles étaient nickel. Hein. C'est la première fois qu'elle les fourchette aussi bien. Donc voilà, la seule contrainte c'est l'hiver, parce que justement vu que le plastique retient l'humidité. D'habitude une plume n'a jamais mis de goudron de sa vie. Là j'ai dû en mettre parce que voilà, les fourchettes étaient un peu molles. Donc vraiment il faut faire attention l'hiver ou quand il fait humide, voilà. Après donc au niveau montée, est-ce que ça change quelque chose? Alors absolument pas. Dans l'air on ne glisse pas. Alors effectivement s'il y a de la boue que ça glisse, ben, vous allez glisser hein, ça. Mais honnêtement je ne glisse pas plus qu'avec des fers normaux. La performance est la même, enfin il n'y a pas de différence majeure. Par contre là où ça va changer quelque chose, c'est en randonnée, lorsque vous allez passer sur du goudron. Là il n'y a quasiment pas de résonance, en fait vous êtes silencieux, ça fait le même bruit que si votre cheval était pieds nus. Alors que quand on est avec un cheval voilà, qui est ferré, ça fait clac 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 clac. Là il n'y a quasiment pas de bruit quand vous êtes sur du béton, sur du goudron, quand votre cheval tape etc. Il n'y a pas de résonance. Voilà. Autre chose que j'ai remarqué aussi vis-à-vis de sa performance, avant elle hésitait un petit peu à aller dans les terrains de pierre, maintenant elle s'en fout, elle n'hésite, quand elle parlait elle rentrait un petit peu dans l'eau, elle hésitait, maintenant c'est déjà que de base elle était, c'était un tracteur, maintenant c'est un super tracteur, voilà. Après, donc au niveau voilà, molette, qu'est-ce qui s'est passé niveau molette? Alors c'est ça le plus intéressant et je suis vraiment très reconnaissante et je dis merci. Super Alexandre pour tout ce qu'il fait pour nous, pour le bien-être de ma jument, pour nous permettre d'évoluer. Donc au bout en fait de 15 jours, les premiers résultats ont été visibles. Les molettes avaient déjà diminué de moitié, la moitié de ce qu'elles étaient, donc elles avaient déjà bien réduit. Et aujourd'hui, maintenant 4 mois après, elle en a quasiment plus. Voilà. Il y a toujours les marques de molettes, puisque de toute façon elles ne disparaîtront jamais complètement. Mais les molettes ont quasiment disparu, voilà. Je n'ai plus besoin, parce qu'à l'époque, voilà, c'était toute une routine absolue, je touchais les membres, je mettais du gel, enfin c'était tout à l'heure. Ouais, maintenant j'ai juste besoin de mettre du gel aux antérieurs, aux postérieurs, elle n'a absolument plus de molette, elle n'engorge plus du tout, elle n'a plus aucun engorgement. Franchement, c'est pour moi une révolution, c'est faire. Alors effectivement, c'est un investissement, mais je ne le regrette absolument pas. Voilà, en sachant qu'on n'est qu'à 4 mois et les autres, et il va y avoir encore... d'autres résultats, puisque une ferrure orthopédique c'est comme quand vous testez n'importe quelle routine de soins hein, ça met plusieurs mois avant de se mettre en place et là bah, je suis vraiment heureuse et j'espère que ça ira pour le mieux puisque et aussi donc Super Alexandre a remarqué quand il parait la jument, des fois il y avait des petits impacts de sang sur la sole, là il n'y en a plus du tout, donc ça veut dire que ça absorbe beaucoup mieux les chocs, enfin c'est... Pour moi c'est que du positif, si votre maréchal vous propose justement de tester ses fers, n'hésitez pas à le faire parce que ça peut vraiment être
pas mal. La vidéo vous aura plu, j'ai essayé de résumer au maximum pour pas que ce soit trop long, pour pas trop raconter ma vie. Je vous dis à très bientôt, si elle vous a plu, bon, n'hésitez pas à partager, à mettre un pouce vers le haut. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.